Salut, et bienvenue dans une nouvelle partie de la Let's Play sur Spider-Man PS4. Je sais pas, on est à la partie combien. Du coup, au même écran que la dernière fois. Ok, lui il est chaud. Il résiste pas. Ok, on a compris, il est beaucoup plus fort. Faut peut-être lui lancer un objet pour pouvoir le frapper. Honnêtement, je la trouve plus jolie cassée. Ok, c'est bon, j'ai compris comment on peut le battre. Attends, c'est tous ceux-là qui se ramènent là. On n'est pas dans la merde. Bah voilà, on l'a battu. Fastidieux. T'en es même fastidieux. ULIS, t'es niveau 3. Essayons encore une fois. C'est terminé. Qu'est-ce qu'il voulait? Juste des documents financiers. Sur le souffle du diable? Qui vous a parlé de ça? Pourquoi ils veulent s'en emparer? Je sais même pas ce que c'est. Monsieur Osborne le finance à coups de millions depuis des années. Mais il garde le projet top secret. Je suis le seul à avoir des traces écrites. Plus maintenant. On dirait qu'ils ont copié les fichiers vers un serveur sécurisé. Registre du personnel. Un certain docteur Isaac Delany. C'est qui lui? Je l'ignore totalement. Mais c'est vous! Allez, allez! Non, garçon, c'est vrai! Va mourir. Il faut pas le rattraper. Tout va bien? Oui, je crois. Bon, cool. Vous savez, pour une cage d'ascenseur, c'est plutôt pas mal. J'ai pas compris la blague. Salut Yuri. Tout va bien? Ouais. Mais le problème, c'est que Standish a pas eu le temps de me dire grand-chose avant que les hommes de sable arrivent et me chassent de là. Qu'est-ce qu'ils ont? J'ai l'impression que tout ce qui leur importe, c'est d'éviter qu'ils ne parlent. Parce qu'il est au courant pour le souffle du diable. Oui, mais on ne sait toujours pas ce que c'est. J'y travaille. Je crois même avoir une piste. Une piste? Vous parlez comme un flic? Vous voulez dire... l'inspecteur Spider? Oh, je le savais. Yuri? C'est pas sympa. Il a direct pas entendu l'inspecteur Spider. Peter, qu'est-ce qui s'est passé avec Standish? Il est en sécurité. Ok, très bien. Et les démons? Ils recherchaient un nom. T'as de quoi noter? Ouais, vas-y. Docteur Isaac Delany. Ok. C'est qui? Et pourquoi lui? Ah bah j'espérais que tu me le dirais! Je m'en occupe, ce sera pas trop long. Oh, et avant que j'oublie, t'as zappé le mouchard de Tombstone chez moi. Je te le déposerai au labo du docteur Octavius. Bon, je te dirai ce que je trouve sur Delany. Ah, c'est bien qu'il allait avoir une nouvelle mission annexe vu le truc qu'il y a dans les airs. Alors, c'est quoi ça? Daily Bugle? Panic of Penthouse, le gang des démons transforme un gratte en trou infernal exclusif dans le tout dernier Bugle. Ah oui, c'est vrai que c'est plus maintenant... Didiana, mon costume de Reno. Enfin, ce soir, je vais essayer de trouver ce présent pour faire la mesure. Betty double. En faisant la queue au magasin, j'essaie de prendre la nouvelle peluche NYC Wallcrawler. Écoute, je me suis dit, mais qu'est-ce que je t'ai vu? Et de l'autre, il est trop chou. Oh my god. Bon, où est-ce qu'elle est cette quête fucking annexe?
Je ne la trouve pas. C'est génial! Non, vraiment, où est-ce qu'elle est là, la quête annexe? Je ne la trouve pas! La galère intégrale! On est peut-être plus vers là-bas. Hein, c'est bien là où je croyais, le raft. Je trouve pas. Où est-ce qu'elle est ma mission principale, SVP? Ok. Ah, elle est là! Tombstone sur la brèche. Ok, j'imagine que on doit faire des missions secondaires avant de pouvoir faire des missions principales. Je suis sûr que si je vais dans mission, ça va me dire ça. Tombstone sur la brèche, une mission de recherche. Ok, je me suis gouré. Je me jette quelque chose, je dois mener l'enquête. Ok, en gros, il devient à la limite une mission principale. On se croirait dans Mafia 3 là. Du doc. Désolé d'appeler si tard, mais mon esprit déborde d'idées. On l'a vu trop petit, Peter. Pourquoi remplacer les membres par des prothèses réalistes quand on peut les améliorer? Alors bien sûr, les gens qui ont perdu un bras veulent le retrouver, mais on pourrait leur donner encore mieux. On n'a pas à se plier aux limites du corps humain. On peut les dépasser. Réfléchis-y quand tu auras le temps. Le doc se donne vraiment à fond. J'espère qu'il va pas nous faire un burn-out. Je crois que là ça parle un petit peu des sortes de quatre bras mécaniques qu'il a eu. Je crois qu'il pense à ça, fait chier. Ça va devenir le docteur Octopus. Non, attendez, c'est pas ça la prononciation. Le docteur Octopus. Je peux pas changer de costume. Je devrais examiner les metteurs trouvés par MJ. Si j'arrive à le démonter et à l'inverser, il devrait mener aux cargaisons de Tombstone. Alors déjà ça, on pourrait faire. Non mais ça marche pas ce truc là. Ah! Comment je peux faire? Merde, j'ai enlevé le mauvais. Ouh, ça a marché. Non. Oh!
Ça m'a saoulé. Ah, ici! Ça devrait marcher. On va tester ça. Voilà la triche intégrale. On va encore changer de costume. On va mettre le costume Spider noir. Le costume de Spider-Man noir. Alors, le scorpion. La dernière fois que j'ai affronté Scorpion, il m'a demandé si je savais à quoi ressemblait l'intérieur de mon crâne. Et il m'a proposé de me le montrer. Un vrai bout en train. Elle va me manquer, cette vilaine bouille. Est-ce qu'il y a autre chose ? Une brute de la mafia transformée en tank sur pattes. Si on cumulait tous les dégâts causés par Rhino, on pourrait détruire 3 fois Manhattan. On a le vautour. Vulture est sans doute le plus futé de tous. Bon, pas assez pour éviter 3 condamnations à vie consécutive, certes, mais futé quand même. Enfin, oui, la plupart des noms, ils... Non, même tous les noms, ils les traduisent pas dedans. Electro. Electro est le premier vrai super vilain que j'ai affronté. Avant lui, j'avais eu que des types normaux en costume. Electro, c'était un autre niveau. Rien à voir. Tiens, je me demande si on va l'affronter dans le jeu, ça serait trop cool. J'adore Electro. C'est un de mes persos préférés de l'univers Marvel. Merde. Je fais au mauvais moment. Mais pas au mauvais moment. C'est nul. C'était... Regardez-moi ce truc badass! C'est trop badass! Badass! Super! J'ai plus qu'à suivre le signal! Il devrait me mener à ce que Tombstone est en train de déplacer. Tombstone. Ce type est un vrai cauchemar. Peau imperméable, ses morales inexistantes. Du pur plaisir. J'espère qu'il n'y jetterait une pierre que son garage clandestin. Continue à tout déchirer. Ok, c'est plus vers le bas. Juste avancer tout droit depuis tout à l'heure. Hésitation, oh, fallait tourner juste ici. Sinon, on trouve presque jamais. Ok, je me suis gouré. Ah, ok, là je comprends plus du tout. Par là. Ah, je le perds. Là. Le camion. Alors, on se fait une petite virée. Plus. Ouh. Il y a lui qui ne met pas dedans. Appelle les renforts. What the fuck? Pourquoi il pouvait encore bouger, lui? Oh, mais toute la bande est là. Ah,
que j'ai fait en fait. J'ai utilisé mon pouvoir comme un con. Allez, la moto! Merci d'avoir descendu de ta moto, mec. C'est gentil. C'est très gentil, même, de ton part. Moi, je peux vous lancer sur vous. I'm on the west, père. Non, je vais pas. Je vais pas arrêter de parler. À ça. Le gang de bikers, c'est fait. Maintenant, voyons le camion. Hop là. Des containers chimiques. Ils sont vides. On dirait qu'ils viennent de l'usine Alchemax à Harlem. Qu'est-ce qu'ils pouvaient contenir? Et ce son marque la fin de notre épreuve chrono. Je devrais jeter un coup d'œil chez Alchemax pour découvrir ce que contenaient ces barils. Tombstone mise à quelque chose. Sans doute illégal. Et clairement dangereux. What? On a terminé la mission secondaire. Salut. Vous auriez le temps de vérifier un truc pour moi? Non. Mais si vous demandez gentiment... J'ai reçu un appel à propos d'une curieuse boîte sur un toit à Hell's Kitchen. Je pourrais prévenir les démineurs, mais si c'est juste le projet SVT d'un collégien... Ouais, je vois le truc. Crise budgétaire, tout ça, tout ça. Et donc? Vous pourriez aller voir, s'il vous plaît. Vous avez dit le mot magique! J'espère que c'est le projet SVT d'un collégien. Ça me manque, cette époque. Les projets à l'école sont tellement plus faciles que dans la vraie vie. Du coup, la principale, c'est la... qui sait ce qu'on va faire? Parce que moi, je veux bien y récupérer ces 5... Quiconque voudrait se déguiser pour la fête d'Halloween... J'aurais bien se méfier, certains de ses plus. Les ennemis pourraient rôder dans les environs. Bon bah, moi j'attendais que ce soit une quête annexe. Ça y est, ça commence. On m'informe que le trafic de drogue est en train d'exploser dans notre superbe ville. Et rien à voir avec les démons ou les anciens larbins de Wilson Fisk. Les criminels de tout poil gagnent en confiance. Comme je l'avais prédit, les rats sortent de leur trou, attirés par la faiblesse et l'opportunité. Personne n'a voulu m'écouter avant, pourvu qu'on me prête l'oreille maintenant. Faites attention à vous. Ah, c'est bon, il a pas dit du mal de Spider-Man. Ouais, content. Hein? C'est militaire, on dirait. Bizarre. Spider-Man. Alors, Taskmaster. Qui êtes-vous? Mauvaise question. Il fallait se demander, peux-tu stopper les bombes que j'ai posées? Que pourquoi je t'ai pas sur la cinématique? Une géolocalisation aux quatre coins de la ville. Mais c'est le Taskmaster. Trop cool. J'adore le Taskmaster. On a une... Attends, où est-ce qu'on est? Le plus proche que celle-là. Des unités, des agents ont pris en charge des terroristes armés d'une bombe. Cet ordinateur pointe vers des bombes dans le district. Elles sont sur le point d'exploser. Je dois faire vite. Oh, il y en a une juste ici. Quoi? Faut que je me dépêche de désamorcer les bombes. Mais dépêche-toi, Spider! Mais inoffensive. Score 400. Oh putain, je crois que je vais tester par ces missions secondaires. Là, actuellement, je suis en train de me niquer le doigt. Ok, plus qu'une. Ok, c'était pas un projet de collégien. Vraiment pas. Moi, il y a le Taskmaster dans le jeu. Et j'adore le Taskmaster. Moi, j'ai clairement pas besoin de faire ça. Parce que là, ça aurait été long. On a fait un score de 300. Bon travail pour les bombes.
ça affecte ta précision. C'est quoi votre espèce de jeu pervers? Les jeux, je laisse ça aux enfants. Je suis un professionnel et on me paie en tant que tel. Je pense que votre client gaspille son argent. Parfois, les informations valent plus que de l'argent et j'ai beaucoup appris en t'observant. MJ, t'as trouvé quelque chose sur Isaac Delany? Tiens, regarde la photo que je t'ai envoyée. C'est lequel, Delany? J'en sais rien. Tu vas devoir aller à cette petite fête pour le découvrir. Ça tombe bien, j'ai déjà un costume. On va mettre le costume officiel du jeu pour la jouer réaliste. Le seul fait d'avoir le vrai costume. Normalement, il me semble qu'il y a un easter egg à quelqu'un qui avait fait quelque chose sur YouTube. Bon, moi, je l'appelle Spidey Gros Porc. Hein. En fait, je devrais tellement pas dire ça vu que même moi, je suis un gros porc en fait. What? Ah, oh, c'est l'endroit de Spider-Man 3, je crois, ça. L'église de Spider-Man 3. Bon, je suis déçu. Il me semble que dans le jeu, il n'y a pas Venom. Bon, sachant que j'adore Venom, du coup, pour la suite de ce jeu, bah oui, c'est obligé qu'il y aura une suite. Vous avez pas vu le succès du jeu. Je prie pour que sa suite ait Venom. Je veux Venom pour Spider-Man, pour Marvel Spider-Man 2. Ou sinon, je pète un gros câble. Jusqu'à... La fête de Halloween, c'est parti. Et je vous conseille de voir les vidéos de Link the Sun et Link's Off. C'est en fait la même personne. Elle n'a pas besoin de le changer. Qui font de très bonnes vidéos sur le jeu, comme celle de Link the Sun et celle de sa chaîne secondaire Link's Off. Elle est déguisée en l'un de nos plus grands rivaux. Je dois découvrir le cœur. Les sandwichs, c'est pas de la cuisine. On voit la photo? Non? Il y en a beaucoup déguisés en Spidey. Tout le monde porte un costume, mais congénère. Voilà quelqu'un qui a pris son costume au cerf. Trop classe. Le docteur Delany est là, quelque part. Je dois le retrouver avant lui. Hey, regarde ça ! Il y a des spinners. Voilà. Lui, c'est un easter egg. Oh, voilà, ça c'est un easter egg. Oh, il est trop bien fait son costume de zombie. Oh, il y a le scorpion et Godzilla. Enfin, je crois que c'est Godzilla. Catwoman, c'est toi? C'est quoi comme délivrement, lui? Mais Spider-Man! Là! Il est nul là ou quoi? Bonjour monsieur le zombie. Oh c'est génial. Mysterio. Oh, ça va, elle est trop bien fait. Vous êtes le docteur Delany? Oh Spider-Man, mon ennemi juré, tu ne m'auras pas cette fois. Oh non, de la fumée, c'est mon seul point faible avec les petits couteaux. C'est une référence à The Amazing Spider-Man. C'est une référence à The Amazing Spider-Man. Mais what? C'est vraiment quoi ton problème? J'ai passé une semaine à fabriquer ce casque.
Je dois trouver le docteur Delany. Il est là quelque part à cette soirée. T'es qui, toi? Votre gentil voisin, Spider-Man. Petit comique. Mais non, vraiment? Oh là là! Toi, tu sors? Salut le vautour! Je veux vous entendre crier! Ce type qui jette des sucreries est peut-être le docteur Delany. Il faut que je trouve comment monter. Un peu pour toi! Et pour toi! Pour toi! Wouhou! Je cherche Isaac Delany. Je crois qu'il est sur la piste de danse. Lui, là. Le lézard avec la blouse blanche. Mais c'est Spider-Minus. Et vu que je suis l'un de tes ennemis jurés, va falloir m'affronter. Alors, Spider-Mauviette. On a peur de ma grosse corne. Hey, mais qui? Hey, hey, mais non, mais ça va, oui. Hé, hey, tout le sang, tout le sang. Faut une ratée, Spider-Man. Et pas en blond, pas coquet en fait, ça c'est seulement dans les yeux. Et bon. Spider-Man. Oh là là, ce moment était tellement excellent. Putain, je me demande, je suis à combien de pourcents du jeu maintenant? Pas voir. Calmez-vous. Dites-moi simplement ce que vous voulez. C'est une blague, non? C'est des faux flingues. Oh, va t'asseoir! Relâche-le! Boum! T'es déguisé en quoi, toi? En herbe? Quoi que non, je pense que je serais plus pour... comment ça s'appelle? Un hater. Non, ça. J'ai oublié le nom. Et c'est un peu comme un hater. Rah, je me souviens plus comment ça s'appelle. Tout le monde va bien? Ouais. Parfait. Eh ben, joyeux Halloween. Oh, trop bien fait. Pas passer par la porte. Du coup, on doit passer par là. La logique est très présente. Un éclairage d'ambiance. Comment ils font pour voir? Je croyais qu'on était dans le noir. Yay! Ça servait à rien. J'avoue, c'était chaud. C'était une parodie de merde. Ok, là, ça, il s'est pris 3 électrocutions. Ok, c'est bon, il est mort. Où est-ce qu'ils ont emmené Delany?
Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Dave, va voir les gens. C'est cool. C'est le docteur Delany. Où est-ce que vous m'emmenez? Je sais pas où est-ce que je vais. Qui êtes-vous? Vous travaillez depuis peu avec quelqu'un dans un laboratoire de Oscar. Comment le savez-vous? Mon temps est précieux, Isaac. Dites-moi son nom. Oh, bah non, c'est bon. Oh. Oh non. C'est terminé, les... Plutôt que ça commence. Sans... Non. Docteur Morgan Michaels. Merci. Chier, il est mort. J'ai pas de palais alors. Ça c'est quoi, bombe de toile? C'est le piège de toile. Ok, c'est bon, on a terminé maintenant, non? Ok, vu que j'en ai collé trois ici, on a un qui s'est détaché. Comptez-vous. Je dois trouver les... C'est tellement dommage que c'est... Martin Lee. J'adore Martin Lee. Quand j'ai appris... En fait, depuis le début, c'était Mister Négatif. C'était pas bien. Non, je rigole. Mais franchement, je l'adore beaucoup trop, Martin Lee. Oh, ça y est, la mise à jour pour Fortnite s'est enfin installée. Vous allez pas me croire, mais je fais ça pour votre bien. Bonjour Spider Copy. Non, mais il est en train de contaminer. Non, pas le rhino. Ah mais non, mais ça va être un boss du coup. Ok, j'ai déjà compris comment il marchait lui. Ok, ça marche comme tous les gros... Comme tous les mecs comme ça qu'il y a dans le jeu. C'est exactement la même chose, ok.
J'attendais à autre chose. C'est bon, normalement il devrait bientôt s'en sortir. Il m'a déjà saoulé lui. Lâche-moi! Je t'empêche de s'entretuer. Si ça peut vous consoler, ça m'a pas fait plaisir. Eh ouais, je vais casse-toi le cheval! T'as été trop utilisé comme même sur YouTube et tout. J'ai tué le rhino. J'ai eu le rhino une nouvelle fois. Ça faisait longtemps. Yori, j'ai besoin de vous. On nous a signalé des coups de feu à l'ESU. Ouais, c'est moi. Je vous expliquerai. Mais pour l'instant, il faut que vous trouviez le docteur Morgan Michaels. C'est la cible de Martin Lee. Bien reçu. Non, mais ça peut pas dire Martin Lee. Spider-Man, qui est ce docteur Michaels? Je dirais que c'est le chercheur à la tête du projet Souffle du Diable. Vous l'avez trouvé? Oui et non. Sable prétend l'avoir mis en sécurité dans un endroit secret en ville. Mais il refuse de m'en dire plus. Je croyais que vous bossiez ensemble. Moi aussi. Ok, j'ai une idée pour le retrouver. Je vous dirai si ça porte ses fruits. Ok, il n'y a pas de mission principale qui apparaît. Comme il arrive assez souvent. Qu'est-ce que c'est le principe? Spider pirate. Le docteur Morgan Michael, c'est la clé du souffle du diable. Je dois récupérer les infos que Norman. Sur lui. Tombstone. Qu'est-ce qu'il prépare? Toile dans la brume. Nah, je sais pas le faire. Je sais pas comment faire. TV. Hey, t'as trouvé le docteur Delany à la fête? Ouais, mais Lee aussi. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Lee l'a corrompu, il a poussé à se suicider. C'est horrible! Il faut qu'on arrête ce type. On va y arriver. Avant de mourir, Delany a donné un nom à Lee. Morgan Michaels. Morgan Michaels? Qui c'est? Je sais pas exactement. Mais je pense qu'il travaille sur le souffle du diable. T'as pu tirer quelque chose du fichier que t'as trouvé? Oui, écoute ça. Il y a quelques années, Osborn a demandé à Fisk de construire un laboratoire sans en informer les autorités. Un laboratoire secret? Pour le souffle du diable? Si c'est aussi dangereux qu'on le pense, ce serait logique. Et où est ce labo? C'est pas précisé. Osborn a obligé Fisk à effacer toutes les traces. Tout ce que j'ai, c'est des paiements du compte personnel d'Osborn à la société de construction de Fisk. Connaissant Fisk, il a dû garder les factures pour faire chanter le maire. Tout nous ramène à Norman Osborn. Il va falloir que je lui rende une petite visite. Je doute qu'il accepte de te dire quoi que ce soit. Je comptais pas lui demander. Oh là là, la pousse trop badass. Je suis en position caca. J'ai eu un appel de Tante May. Peter, j'ai parlé à la mère de Miles et elle est ravie qu'il puisse travailler ici. La pauvre est en deuil, mais elle essaie de rester forte pour son fils. Elle a besoin de temps pour se remettre et lui a besoin qu'on lui montre que la vie vaut encore la peine d'être vécue. C'est adorable d'avoir proposé ça, Peter. Ben aurait été fier de toi. Je sais, je sais. Oh, la réponse de connard que je viens de faire. Ok, par là, je pourrais accéder au bureau de Norman. Je peux pas entrer sans avoir désactivé quelques systèmes de sécurité. Mais s'ils me voient, ils vont tout boucler en moins de deux. Ben voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. J'ai activé les modules de sécurité depuis l'extérieur en me connectant au réseau.
Alors, je dis, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à partager, à commenter, à activer la cloche. Bye bye. Pour une prochaine vidéo.